Ok, bonsoir à tous, bonsoir everybody, j'espère que tout le monde va bien. Mettez vos caméras, faites attention à vos micros. Est-ce que tout le monde me voit, tout le monde m'entend? Afficher, hop, les petits pouces, yes, super. Ok, alors bienvenue à tous, bienvenue aux nouvelles personnes. Donc moi c'est Quentin, je me présente, j'ai 31 ans depuis, je viens de les avoir en décembre. Ça fait un an que je consomme la nutrition, Herbalife Nutrition. Et donc en compagnie de Raquel, ce soir, on va vous présenter le concept et la société et l'opportunité professionnelle. Donc ça va durer un petit peu, enfin disons 30 minutes. Donc, écoutez bien et on aura une seconde partie avec un invité spécial extraordinaire que j'ai hâte d'écouter ce soir. Allez, c'est parti. Raquel, super. Donc, le fondateur, c'est lui, c'est Mark Hughes. Donc, à cette époque, il a tout juste 20 ans, donc il y a 42 ans, il a fondé la société Herbalife Nutrition. Comment? Eh bien, suite à une tragédie. À une tragédie, sa maman est décédée. Elle est décédée, elle voulait perdre du poids et en fait, elle avait une relation très malsaine avec la nourriture. Elle cherchait des solutions et en fait, avec les médecins, bon, elle a pris beaucoup d'amphétamines, des somnifères. Elle est décédée. Donc lui, gros choc émotionnel, forcément, à cet âge. Il comprenait pas, il comprenait pas, et c'était quelqu'un qui avait quand même de l'ambition, qui avait des rêves, et c'est vrai qu'eh bien, il voulait trouver une solution. Comment en fait apporter une solution nutritionnelle pour aider les gens à perdre du poids, en toute sécurité en fait. Donc il est parti, il savait que au niveau de l'Asie. Eh ben, on utilisait beaucoup les plantes et donc il est parti là-bas, il s'est formé, il a ramené un petit peu des idées et en fait avec les chercheurs américains, donc oui, Herbalife Nutrition, c'est une société américaine fondée à Los Angeles. Donc il est revenu aux États-Unis et il a créé Herbalife Nutrition. Donc il y a de ça 42 ans. Donc excès et insuffisance. Alors effectivement, à ce jour, on fait trop d'excès. Trop d'excès en sucre, en sel, on met trop de sel, alcool, tabac, lipides, trop de lipides. Les produits chimiques transformés, oui. Pesticides, conservateurs, pollution. Effectivement, on vit dans un monde où, dans un système où c'est vrai qu'on ne prend pas le temps de faire attention à ce qu'on mange, en fait, ce qu'on consomme, tout simplement. Et effectivement, pas assez en protéines végétales, vitamines, minéraux, vous l'aurez compris. Pas assez d'eau également, le sommeil, fibres. Notre alimentation a changé. Effectivement, on vit dans un monde où tout est par profit. Avant, bah, c'est vrai qu'il y avait le petit paysan qui faisait ses petits fruits et légumes. On allait au marché chercher ces fruits et légumes, enfin, c'était pas comme à ce jour où vraiment tous les produits sont transformés, beaucoup de produits sont transformés. Dans le système où l'on vit, c'est vrai qu'on, eh bien, on est toujours pressé, on n'a pas le temps de faire à manger, donc on va acheter des produits qui sont transformés. Malheureusement, tout ce qui est fruits et légumes, faut pas se leurrer, mais la plupart, bon, ils viennent d'Espagne, hein. Le désert de plastique, ce fameux désert, bah c'est vrai que tous ces fruits et légumes, bah c'est des pesticides, il y a plus rien dedans, il y a plus de vitamines comme les anciens fruits et légumes que nos grands-parents mangeaient. Et effectivement, l'alimentation a changé. Tu peux mettre le slide suivant, Raquel. Super. Situation et choix nous affecte. Alors effectivement, eh bien, à ce jour, les trois principales causes de décès, ce sont les cancers, maladies cardiovasculaires, maladies cérébrales. Malheureusement, c'est vrai qu'eh bien, la plupart du temps, quand on entend un décès, c'est généralement autour de ces maladies.
Eh bien, ces 50% pourraient être évités par une meilleure alimentation, tout simplement. Le fait d'avoir une bonne alimentation et le fait d'être actif, c'est vrai qu'eh bien, on peut diminuer ces taux, ces maladies du moins. Donc 40% des Européens ont surpoids, effectivement, 17% sont obèses. En France, voilà, 50% en France, je crois que c'est 47% si on veut rester dans les chiffres, mais 47% des personnes en France sont en surpoids. Donc c'est assez tragique. Et effectivement, bah, le diabète, c'est la maladie numéro un mondiale, hein, la cause de décès mondiale, le diabète, cholestérol, etc., etc. Herbalife offre des solutions, des produits soutenus par la science. Alors voilà la gamme Herbalife qui est 100% vegan. Joli packaging, super, l'excellence dans la qualité. Alors vous l'aurez compris, depuis 42 ans, eh bien, la société a évolué, et à ce jour, elle est vraiment numéro un leader mondial dans son domaine. 300 scientifiques, 50 doctorants, il y a un prix Nobel. Luis G. Ignaro, si je n'écorche pas son nom, 300 millions de dollars investis dans les usines, les développements, 6 pôles, 6 centres de recherche à travers le monde, protocole, test certifié. C'est vraiment qualitatif comme société. Et effectivement, eh bien, Herbalife Nutrition, c'est vraiment pour tout le monde. Alors, je vais poser une question dans le chat, si on peut lever les mains, si on peut lever le pouce. Qui parmi vous souhaiterait perdre un petit kilo de masse grasse? On parle bien de masse grasse ici. Qui souhaiterait perdre un petit kilo, même 500 grammes? Yes, moi aussi je lève la main. Prise de masse musculaire, qui aimerait reprendre une masse musculaire? Pareil. Énergie, bah oui, effectivement, moi aussi j'ai envie de gagner en énergie. Effectivement, Herbalife, c'est vraiment pour tout le monde, c'est pas que la perte de poids, le bien-être, les problèmes de transit intestinaux. Est-ce qu'il y a des sportifs parmi vous? Il y a des sportifs, yes, il y a des sportifs. Alors, pareil, Herbalife, du moins, ils proposent leur gamme sport. Nutrition externe, shampoing, on a tous besoin de se laver, shampoing après shampoing, même une gamme cosmétique, pardon, les filles un peu plus que nous les hommes, quoique les hommes font de plus en plus attention à leur image, et c'est important aussi le soin de la peau. Tu peux nexter, Raquel, super. Donc effectivement, on parlait de sport. Et aussi pour les sportifs. Donc en francophonie, Fédération française de volleyball, je pense que vous connaissez, champion de France, champion olympique, donc c'est pas n'importe quelle équipe. Olympique lyonnais féminin, triathlon de Gérard Meur, hyper connu chaque année. Suisse, Luc Volleyball, encore maintenant, il n'y a pas si longtemps, le Genève Hockey Club et le rugby également. Donc c'est vraiment, bah, on accompagne vraiment plein d'équipes à l'international. Effectivement, aux États-Unis, bah, Los Angeles Galaxy, équipe de foot. Voilà. Il y a également Cristiano Ronaldo. Voilà, on accompagne vraiment les sportifs de haut niveau. Donc, pour preuve de la qualité des produits, et effectivement, avec toute cette norme, les normes INFORT Sport, l'antidopage norme AFNOR, c'est vraiment des normes qui sont certifiées, c'est vraiment à la pointe. Donc ça, c'est quand même important de le souligner. Herbalife Nutrition, plus de 95 pays. Et oui, parce que Herbalife Nutrition, comment dire, proposent leurs produits en fait à travers 95 pays. Donc c'est 95 pays qui acceptent la vente de leurs produits, des produits de la société. Plus de 5 millions de chèques de consommés par jour. Et ça, c'est important, de la graine à l'assiette, 14 étapes de contrôle. C'est-à-dire que par rapport à des grosses marques que vous connaissez, que vous avez sans doute dans vos frigos ou pour les enfants, etc. Eh bien, là, il y a 14 étapes, c'est-à-dire de la graine à l'assiette,
de la production, des champs de culture, jusqu'à notre assiette, jusqu'à notre petit déjeuner, jusqu'à nos compléments. Donc c'est vraiment, encore une fois, un contrôle de qualité extraordinaire. Chiffre d'affaires, effectivement, bah la société, c'est plus de 9 milliards de chiffre d'affaires à ce jour. Là, ce n'est pas tout à fait à jour, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment le leader mondial. Tout commence par le petit déjeuner, le meilleur carburant dès le matin. Alors, effectivement, le programme, dirais-je, de base, qui n'est pas les moindres, c'est l'aloe vera. Donc, on se lève à jeun le matin. On va nettoyer le système. On va vraiment déguster cette aloe, cette boisson pour laver le système. Douche interne, on appelle ça une douche interne. D'accord? Les problèmes de digestion, peut-être certains d'entre vous ont des problèmes de digestion, des amis. Là, c'est une solution, encore une fois. Donc, vraiment nettoyer. Et ensuite, après être venu nettoyer, on va venir hydrater. L'hydratation, hyper important. On est censé boire 1,5 litre, 5, 2 litres d'eau par jour, selon la corpulence, selon le poids, la taille. Et effectivement, personne ne boit 1,5 litre 5 d'eau par jour, ou très peu, en moyenne. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Donc, effectivement, là, on va apporter cette boisson aux extraits de plantes. Il y a plus de 50 plantes dans cette boisson. C'est pas un vulgaire thé, mais effectivement, on va retrouver un mélange de thé noir et de thé vert qui ont leurs propres bénéfices. Augmentation de l'énergie, oui, 5 heures d'énergie positive, contrairement à la caféine où c'est un excitant. Là, ça va vraiment être une énergie positive. Brûle graisse. Voilà, il y a beaucoup de bienfaits avec cette boisson. Et après avoir nettoyé, hydraté, on va venir nourrir avec cette boisson nutritionnelle, qui est vraiment le produit phare de la gamme Herbalife. Alors, ce smoothie, ce shake, ce milkshake, on va le retrouver de plusieurs parfums, crème de banane, chocolat gourmand, enfin, vous m'avez compris, 11 parfums. Tout autant délicieux les uns que les autres. Et ce produit apporte 25 vitamines et minéraux, donc vraiment tous les macronutriments que le corps a besoin, plus de la protéine. Et effectivement, on peut le déguster, le consommer de plusieurs façons, pas uniquement en shake. On n'est pas là à boire uniquement liquide, on peut vraiment cuisiner. Herbalife propose à leurs clients, eh bien, un bouquin ou justement un livre de recettes où on part des encas, où vraiment on peut vraiment préparer des bœufs bourguignons. On peut cuisiner. Donc ce n'est pas seulement un shake, un smoothie, on peut vraiment cuisiner. Et donc voilà la partie que tout le monde préfère, les résultats perte de poids énergie. Ok, pour ma part, j'ai perdu 7 kilos de masse grasse. Et je suis sur la page d'après. Y aurait-il quelques personnes parmi vous qui souhaiteraient partager son résultat? Je regarde un petit peu sport ici. Oui, dans le chat, ou lever la main, ce que je peux voir. Qui souhaiterait perdre de poids? Allez-y, allez-y, allez-y. Non? Clem? Allez, Clem, super. Yes. Bonsoir tout le monde. Donc, moi c'est Clem, je suis de Toulon, 31 ans aussi depuis quelques jours. J'ai commencé les produits puisque j'avais vraiment besoin de perdre énormément de poids. Je m'hydratais pas du tout de la journée. Je mangeais très mal et j'étais allergique au sport. Donc forcément, j'ai pris énormément de kilos notamment dû à mon travail. J'étais très stationnaire sur mon poste. Et donc avec les produits, j'ai pu éliminer 15 kilos et 2 tailles de pantalon. Voilà pour moi. Trop bien, génial. Eh bien, il y avait juste au-dessus Elodie. Elodie? Yes! Bonsoir! Alors, du coup, moi, c'est Elodie, j'ai 31 ans. Je suis une ancienne aide-soignante et donc, du coup, à la suite d'un burn-out, j'ai décidé de perdre du poids. J'en avais beaucoup pris. À ce jour, je suis à moins 34,8 kg, plus d'1,11 m sur l'ensemble du corps d'éliminer et une pêche et la conscience aussi qui revient, bien sûr. Yes! Ouf, oufissime, Elodie, son résultat est extraordinaire. Il y en a parmi d'autres qui souhaiteraient partager leurs résultats. Marc? Yes, avec Yes, grand Marc, plaisir. trop bien.
Bonsoir tout le monde, moi c'est Marc de Toulon, 24 ans, ancien barman. Moi ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je consomme la nutrition. Moi c'est tout simple, avant Herbalife j'étais quelqu'un qui était souvent fatigué et stressé, mais aussi qui était en surpoids. Donc juste en me lançant un challenge, petit déjeuner vitalité avec l'hydratation, et ben, les premiers jours c'était une meilleure énergie, les premières semaines c'était une meilleure récupération, et aujourd'hui c'est 17 kilos éliminés. Et je suis la photo numéro 8. Waouh, 17 kilos. Florie, tu veux nous partager ton résultat? Ton résultat est magnifique. Un petit résultat, un dernier résultat, parce que c'est vraiment impactant. Super. Yes, avec plaisir. Bonsoir à tous, je m'appelle Florie, j'ai 30 ans, ça fait 3 ans et demi que je consomme mon petit déjeuner, mon hydratation. J'ai pu éliminer 21 kilos et 51 cm de tour de corps. C'est 2 tailles de pantalon d'éliminer et j'ai une énergie de malade. Merci beaucoup. Trop bien, trop bien. Bon, on va passer prise de masse. Prise de masse. Donc, prise de masse, c'est pour les personnes qui souhaitent prendre du poids, on le rappelle. Mais effectivement, eh bien après, avec la gamme sport, prise de masse musculaire. Alors, bon, bah moi, j'ai repris 3 kilos de masse musculaire avec la nutrition sportive, en l'occurrence. Et je suis la photo numéro 2. Quelqu'un veut partager son résultat? Je pense qu'on va, on va pas traîner. Dites-moi, prenez la parole. Chloé, vas-y, let's go. Parfait, j'allais prendre la parole. Bonsoir à tous. Donc, du coup, Chloé, 30 ans, de Carcassonne. Moi, j'ai découvert la nutrition il y a 4 ans. Je n'avais pas besoin de perdre de poids, j'avais de l'énergie. Mais je recherchais une meilleure récupération musculaire. Donc, j'ai changé mon petit déjeuner et mon hydratation. Et rien qu'en changeant cela, bah, j'avais un meilleur sommeil, meilleure récupération musculaire. Je me réveillais avant mon réveil. Sans m'en rendre compte, bah, j'ai perdu 3% de masse grasse. J'ai pris 5 kilos de muscles. Et aujourd'hui, bah, c'est une récupération d'enfer. On enchaîne les séances et puis let's go. Encore plus d'énergie qu'avant. Yes, terrible. Trop, trop bien. Ok, on va peut-être passer à la suite. Hein. Je vais laisser la main, laisser le mic à notre Raquel. Et puis, eh bien, merci de m'avoir écouté. Et puis, je vous laisse écouter Raquel. Merci infiniment, Quentin. Et bravo pour ta première partie. Bonsoir à tous. Moi, c'est Raquel. J'habite en Suisse. Et moi, j'ai découvert ce concept il y a plus de 20 ans. D'abord, mon intérêt, c'était un contrôle de poids. J'étais la photo numéro 3, enfin, peu importe, mais j'ai affiné ma silhouette de 7 kilos en 3 mois. Il y a 24 ans, je les stabilise parfaitement. Et aujourd'hui, à 57 ans, j'ai de l'énergie. Et ben, justement, c'est ça notre métier. C'est que quand on a des bons résultats, eh ben, on commence à avoir envie de les partager autour de soi. Et notre métier, c'est ça, c'est de créer des résultats et d'inspirer certaines de ces personnes qui ont des résultats, avoir envie de le partager, de devenir membre de l'équipe pour faire une activité à temps choisi ou même à mi-temps ou à temps complet. Et je vous parlerai un petit peu plus de mon résultat professionnel avec l'activité. Alors, comment ça se passe? Notre modèle de distribution, il est un peu différent du classique. Ou dans le modèle classique, vous avez un intermédiaire, enfin plusieurs intermédiaires entre l'objet quand il est fabriqué par le fabricant et le consommateur. Et tous ces intermédiaires vont bien sûr prendre une marge parce qu'il faut qu'ils vivent, hein, c'est logique. Mais souvent, lorsque le client achète le produit, ben, il n'y a pas beaucoup de services, il n'y a pas beaucoup d'informations et il est tout seul dans son coin. Et moi, j'avais déjà utilisé des smoothies où j'avais acheté ça en grande surface ou en pharmacie. Ben, j'étais toute seule et du coup, au bout de quelques temps, comme ce n'était pas bon ou ça ne fonctionnait pas ou je ne sentais rien, ben, j'avais arrêté. Dans le marketing relationnel qu'a choisi Herbalife comme système de diffusion, en fait, c'est le bouche à oreille qui va… En fait, c'est les clients, les consommateurs satisfaits qui vont être les meilleurs ambassadeurs et qui, lorsqu'ils prennent une licence, vont pouvoir distribuer les produits. Parce que le bouche à oreille, c'est la meilleure publicité. C'est comme un restaurant qui ouvre dans le quartier, et puis vous vous dites, bah, je vais l'essayer, et vous êtes très content du service et tout. Et bien sûr, parce que vous allez faire, comme vous avez été satisfait de l'accueil et aussi de la qualité de l'assiette, bah, vous allez en parler. Et bien, nous, c'est pareil. Nous sommes des consommateurs avertis qui avons apprécié les résultats, notre ressenti, et qui avons envie de le partager plutôt que de le garder pour soi. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce concept-là, Herbalife supprime tous les intermédiaires entre la fabrique, qui est Herbalife Nutrition, et le client, pour n'en garder qu'un seul, c'est le distributeur indépendant qui, en plus de ça, va s'occuper
d'amener la personne à son résultat, que ce soit nutritionnel ou professionnel. Et ce qui est intéressant dans cette activité, c'est que vous allez avoir, vous êtes indépendant, vous choisissez comment vous voulez travailler et avec qui, mais vous n'êtes pas tout seul. Et ça, ça m'a beaucoup séduit parce que moi, j'étais indépendante dans la traduction, mais j'étais absolument toute seule. Et donc, cette activité est ouverte absolument à tout le monde à partir de l'âge majeur. Alors, ça dépend des pays, mais pour la Suisse et la France et la Belgique, c'est 18 ans. J'ai vu qu'il y avait des gens qui venaient de Canada au Canada, c'est 17 ans. Mais à partir de là, cette activité, c'est de, je ne peux pas dire de 7 à 77, mais de 17-18 ans à 77 ans. Et vous allez entendre dans la deuxième partie une personne qui développe l'activité depuis quelques années, mais qui a déjà quelques années sur le compteur. Peu importe vos études, peu importe ce que vous avez fait auparavant, c'est ouvert à tout le monde et il y a surtout des formations qui vont être assurées pour que vous soyez à l'aise et faire votre métier, faire ce métier selon vos objectifs. Ce qui est intéressant, c'est que le projet, c'est le même. Notre métier, c'est vraiment aider les gens à être en forme, à retrouver la forme, à retrouver peut-être une belle silhouette, à bien vieillir, mais aussi aider les gens à faire des compléments de revenus. Et en fait, vous allez choisir, avec l'aide de votre coach, comment vous voulez travailler, en fonction si vous êtes plus à l'aise avec tout ce qui est sport, avec plutôt la cuisine, vous pouvez faire des ateliers de cooking, vous aimez plutôt les soins de la peau, vous allez plutôt faire des ateliers soins du visage, cocooning, des choses en ligne, des choses en présentiel, un mélange des deux, c'est vous qui voyez, comme on dit. Et en fait, si vous êtes sur cet appel, c'est que vous avez certainement, à part peut-être de la bonne curiosité, parce qu'il n'y a pas de mauvaise curiosité, c'est que vous avez une insatisfaction quelque part, soit dans votre état de forme et votre silhouette, soit aussi dans votre, peut-être dans le travail, parce que déjà, vous n'en avez peut-être pas ou vous êtes en recherche, mais vous n'êtes peut-être pas satisfait de comment vous pouvez avoir des enfin, il n'y a pas de perspective d'évolution. Peut-être les fins de mois sont chaque fois plus proches du 15 plutôt que du 30. Quelle que soit votre insatisfaction, peut-être dans cette proposition qu'on vous fait ce soir, il y a quelque chose qui pourrait combler votre manque. Et regardez, est-ce que c'est plutôt que vous aimeriez être votre propre patron, mais sans avoir d'employé non plus de charge d'employé, parce qu'il y a des patrons qui subissent aussi le fait de devoir gérer tous des employés, de choisir vos horaires, surtout pour les parents solo, que ce soit maman ou papa au foyer. Est-ce que vous voulez avoir des perspectives meilleures que ce qu'on vous propose au travail? Choisir d'où vous voulez travailler, que ce soit depuis chez vous, depuis un club, et surtout depuis quel pays? Vous avez la liberté aussi de développer l'activité avec des gens que vous connaissez dans d'autres pays. C'est vous qui voyez aussi, et c'est ça qui est génial. Il n'y a pas de limite. Et en plus, les perspectives d'évolution, elles sont très intéressantes. Et en fait, qu'est-ce qui va faire que les revenus vont augmenter? C'est le nombre de personnes que vous aidez à remettre en forme et que indirectement vous aidez parce que vous allez avoir une équipe, comme des succursales, qui vont aussi aider des personnes. Et en fait, plus grande est votre équipe, plus vous aidez de gens, plus vous allez gagner et progresser dans cette affaire. Alors pareil, le plus intéressant, c'est toujours les résultats qu'apporte cette activité. Et là aussi, je vais inviter quelques personnes à partager leur vécu. Et après, je vous parlerai du mien. Et puis, il y aura aussi une magnifique histoire de vie de quelques années. Alors, écoutez, on va peut-être reprendre plus ou moins les mêmes. Est-ce que, Marc, tu souhaiterais partager ton résultat avec cette activité? Yes, carrément, avec grand, grand plaisir. Alors, du coup, moi, comme je te disais, je suis un ancien barman. Moi, ça fait 2 ans que je fais l'activité, mais j'ai réellement, on va dire, démarré il y a quelques mois en arrière. Moi, je fais ça à temps choisi à côté et avec quelques personnes aidées, c'est un peu plus de 100 euros le mois dernier reversé. Magnifique, merci beaucoup. Et la méthode de travail, attends, j'ai oublié de rajouter la méthode de travail, moi, c'est essentiellement autour des randonnées. C'est ce que, personnellement, c'est ce que j'aime le plus. Génial, super. Chloé, peut-être ? Est-ce que tu veux nous partager un petit peu ton résultat avec cette activité ? Yes, avec plaisir. Alors du coup, quand j'ai commencé, j'avais pas compris qu'il y avait une opportunité professionnelle. Donc, j'étais professeure de sport adapté dans un foyer pour autistes et pompiers volontaires. Donc j'aidais des personnes autour de moi, ça me permettait d'arrondir mes fins de mois. Et suite à un événement, j'ai compris 3 choses. J'ai compris qu'il faut développer à temps partiel, à l'international et en famille.
Donc, du coup, j'ai commencé à développer avec mon père qui habite, mon frère, pardon, qui habite au Chili, mes parents retraités militaires en France. J'ai pris la décision, du coup, de m'y consacrer réellement à temps plein il y a un an. Mon meilleur mois avec Herbalife Nutrition, c'était 1 200 € et je développe autour des fit challenges, des randonnées, des évaluations bien-être. Donc, du coup, on s'éclate et on va bientôt ouvrir un club de nutrition sur Carcassonne. Ah, trop bien. Super. Merci beaucoup, Florie. Qui est-ce qu'on a d'autre? Ben écoute, Quentin, toi-même, hein si tu veux aussi nous partager ton résultat financier, comment tu développes cette activité? Ouais, ça marche. Eh bien, moi, je suis restaurateur de métier. Et donc, j'ai ouvert mon restaurant il y a 4 ans et je viens tout juste de vendre mon affaire eh bien, là, le mois dernier. Le mois dernier, donc c'est vrai que eh bien, ça fait un an que je consomme la nutrition. J'ai tout de suite adhéré avec le concept également professionnel et donc à temps choisi, eh bien, en équipe, bien évidemment. C'est 10, 15, 20 personnes aidées et le mois dernier, c'était 300 € de complément. Super, parfait. Alors, je vais vous partager également mon vécu. Moi, je vous ai dit que j'avais découvert ce concept suite à une recherche d'une solution pour mon surpoids. Quand je l'ai obtenu, une demande s'est faite autour de moi alors que je ne cherchais pas d'activité. Moi, j'étais traductrice indépendante. J'ai toujours voulu faire de la traduction et j'ai toujours voulu être mon propre patron. Mais c'est vrai, après une année d'indépendance où j'étais devant l'ordinateur toute la journée, le contact me manquait énormément. Et j'ai vu que je pouvais aider des gens et avoir du contact. Donc, j'ai commencé à temps très choisi, 1 à 2 heures par semaine, puis 1 à 2 heures par jour. Et puis, à un moment, j'ai commencé aussi à développer une équipe qui voulait aussi faire le même métier que moi. Et en 2 ans, c'est devenu mon activité principale. Aujourd'hui, je la développe à temps, allez, un gros mi-temps, entre 60% environ. Et avec toute l'équipe, on aide près d'une centaine de personnes et c'est des moyennes de 2 500 € tous les mois. Donc, c'est très, très agréable à mon âge aussi. Et puis, je voulais aussi entendre Alain Lelièvre. Je n'étais pas sûre si je l'ai vu être connecté. Alain, je suis bien là. Magnifique. Bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Alain Lelièvre, j'ai 44 ans, région toulonnaise. Ça fait 25 ans que je connais la nutrition Herbalife. Pour moi, au début, c'était plus pour une prise de masse. J'ai pris 15 kilos grâce au programme et beaucoup d'énergie. Et à l'époque, j'étais étudiant, je venais de passer mon bac. J'avais envie d'être indépendant et je me suis dit pourquoi pas avec Herbalife. J'ai commencé cette activité à temps choisi, 10 heures par semaine. Dès mon premier mois d'activité, j'ai eu à peu près une dizaine de clients qui m'a permis de développer environ 600 € de revenus. Une cliente qui a eu des résultats incroyables, elle a perdu 25 kilos, a parlé de moi à 25 personnes autour d'elle, c'était un client par kilo. Et au bout de 6 mois d'activité, à temps choisi, c'était déjà des revenus de plus de 1 500 € par mois. À ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter mes études pour me lancer à temps plein dans l'activité, continuer à développer ma base de clientèle et de distributeurs aussi. Vous pourrez comprendre tout ça un peu plus tard avec votre coach. Et dès l'année suivante, à temps plein, c'était des revenus de 2 500 € par mois. À partir de 2007, j'ai commencé à avoir des revenus qui dépassaient les 10 000 € par mois et d'avoir une totale indépendance financière. Donc, depuis toutes ces années, ça n'a jamais baissé. Donc, vive Herbalife! Bravo, merci à tous pour votre partage, merci Alain aussi. Et c'est sûr que chacun peut choisir comment il veut démarrer, enfin comment il veut développer cette affaire, mais on démarre tous de la même manière en acquérant un pack de membres, un pack de distributeurs indépendants qui vous permet avec 54 € d'avoir déjà pour quasiment ce prix-là en petit déjeuner, vous avez pour 21 petits déjeuners parce que vous avez compris qu'on parle en connaissance de cause, donc il faut utiliser les produits soi-même. Et vous avez la possibilité de progresser entre le 25 et le 50%. Je ne vais pas aller dans les détails parce que la personne qui vous a convoqué sur cet appel va pouvoir vous l'expliquer plus tranquillement. Mais c'est vrai qu'on peut des fois démarrer, on peut démarrer tout de suite à 35 ou tout de suite à 42 en faisant une acquisition pour aider soit 5, soit 8 à 10 personnes autour de soi et pouvoir soi-même aussi avoir une remise sur ces produits. C'est vous qui voyez comment vous pouvez organiser tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, toute l'affaire s'ouvre pour vous et vous pouvez vous former. Et surtout, en parlant de formation, vous allez avoir des formations online comme ce soir. La deuxième partie, c'est une formation en fait déjà. Et puis, vous avez des formations locales, des formations régionales et même des formations nationales comme ce grand événement qu'on va avoir fin janvier pour toute la francophonie.
Et dans cet événement, eh bien, il y a déjà plus de 3000 personnes qui sont inscrites. Surtout, par pourquoi ? Parce que les invités spéciaux ont vraiment une très grande expérience. C'est des personnes qui ont déjà atteint le plus haut échelon, mais en plus ont aidé au moins 7 personnes d'organisations différentes à être président comme eux. Mais ce qui est génial, c'est que cette formation, elle est ouverte quasiment à tout le monde. Il suffit d'être distributeur et d'avoir pris quelques produits pour aider 5 clients autour de soi. Et à ce moment-là, vous êtes lancé. Et là, votre affaire peut être lancée et l'année est lancée. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. J'espère que ça vous a inspiré. Quoi qu'il en soit, vous pouvez rester pour la suite si vous y avez vu un intérêt, quel qu'il soit, pour vous. Parce que cette suite, eh bien, c'est une personne magnifique qui a plusieurs années déjà d'expérience, mais surtout qui a plus de 70 ans et qui fait cette activité avec un plaisir fou, qui adore le contact avec les gens, mais qui le fait avec une grande simplicité. Elle est parmi les meilleurs volumes de France. Donc, ça vaut la peine de rester pour écouter. Mais entre deux, une petite vidéo de transition. Et puis, on passera la parole à Janine, qui est Get Team 2500. Ça veut dire qu'avec son équipe, il y a à peu près 600 personnes ou plus qui sont aidées. Donc, ça vaut la peine. Et en tout cas, moi, je vais prendre après mon bloc-notes pour prendre quelques notes. Allez, petite vidéo de transition. Et on passe la parole à Janine dans quelques instants. Voilà, donc je vais passer la parole. J'espère que Janine, tu es connectée. Je ne te vois pas, mais je pense que oui. Et c'est avec un grand, grand plaisir vraiment qu'on se réjouit d'entendre son partage de réussite de quelques années, comme quoi c'est vraiment ouvert à tous les âges. Donc Janine, si tu es là, à toi la parole. Il suffit que tu actives ton micro et le tour est joué. Voilà, oui, merci Raquel, merci pour cette invitation qui a été faite par Sylvain, que je connais depuis de bien nombreuses années déjà. Et c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous et de pouvoir échanger avec vous. C'est vrai que vous n'avez pas l'habitude d'entendre des personnes âgées comme moi peut-être. Je vais me présenter, donc Janine Gézégou, j'ai 75 ans, j'habite en Bretagne, dans la région de Brest, pour ceux qui connaissent. Et ça fait maintenant 19 ans que je travaille les produits Herbalife, que j'ai contrôlé mon poids parce que j'y suis arrivée pour ça. J'avais quelques kilos en trop, quelques kilos qui me déplaisaient parce que j'avais toujours été très mince toute ma vie. Et après la ménopause, eh bien, les kilos se sont installés, je vais dire, autour de la taille, du ventre. Et c'est vrai que ça ne me plaisait pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai essayé les produits. Alors, une petite parenthèse, quand on vous dit, et que les médecins le disent d'ailleurs très souvent à leurs patientes, après la ménopause, c'est impossible, on ne peut pas perdre du poids. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, vous toutes qui m'écoutez, si vous avez vos mamans, votre grand-mère qui veut perdre du poids, dites-lui que c'est possible. Vous avez vu une personne en chair et en os et qui, de la taille… enfin, j'étais très serrée dans un 40. J'allais devoir passer dans un 42 et aujourd'hui je suis dans un 36 et très fière de l'être. Et je n'ai jamais repris mes kilos. Donc c'est bien, comme on vous l'a dit tout à l'heure dans la première partie, un rééquilibrage alimentaire qui fera la différence. Et vous pouvez vraiment insister là-dessus parce que la réalité, elle est là. Les personnes qui le veulent vraiment, le peuvent vraiment. Il suffit d'avoir de la volonté, de vouloir changer tout simplement, et les choses s'installent. Alors, avant d'être chez Herbalife, avant de travailler ces produits et de connaître cette société, que j'ai connue par le biais d'une amie d'ailleurs, d'une collègue de travail de l'époque, j'étais commerçante. J'ai travaillé dans le domaine du meuble, ça n'avait strictement rien à voir donc avec le domaine d'aujourd'hui. Je n'y connaissais strictement rien à la nutrition.
Et d'ailleurs, quand mon sponsor m'a rencontré, je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas du tout. Quand il m'a proposé l'activité, je lui ai dit ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux seulement que vous m'appreniez à perdre du poids. Le reste, pas du tout. Alors, il me dit, je lui dis, ce n'est pas la peine pour la bonne raison que je ne connais rien en nutrition. Ce n'est pas mon domaine du tout, je n'y connais strictement rien. Et il a eu cette phrase qui m'a un petit peu piquée, j'avoue, sur le coup. Il m'a dit, mais vous n'êtes pas capable d'apprendre. Ça ne m'a pas plu. Je lui ai dit, si, je ne suis pas une idiote. Je suis capable d'apprendre, mais je n'ai pas envie d'apprendre ça. Ah si, il me dit, c'est différent. Et puis, il m'a fichu la paix pendant un moment. Mais voilà, ça m'a rattrapée très vite, puisque j'ai contrôlé mon poids grâce au produit que j'ai donc, à mon programme que j'ai suivi à la lettre. Et de la taille donc 40, je suis passée à du 36. Et c'est ça qui a fait la différence. J'étais déjà dans le domaine de la vente directe à cette époque-là, puisque je vendais de la lingerie féminine. Et lors de mes réunions, eh bien, les personnes, au départ, quand elles me rencontraient, puisqu'elles avaient l'occasion de me rencontrer deux fois par an, parce qu'on avait deux collections, et j'avais donc mes hôtesses qui étaient fidèles et que je voyais régulièrement, et elles me recevaient en me disant « Madame Gézégou, vous êtes malade ?» J'ai dit « Non, pas du tout, pourquoi ?» Elle me dit « Vous avez drôlement maigri, vous avez drôlement changé. » Je dis « Oui, parce que j'ai voulu le faire. »« Ah, d'accord. Eh bien, vous allez nous expliquer comment, parce que moi aussi, j'aimerais bien perdre 3 ou 4 kilos. Moi aussi, j'aimerais bien perdre 10 kilos. » Et j'entendais ça, mais en longueur de journée. Chaque fois que je faisais mes réunions, c'était une personne, deux personnes, cinq personnes, 10 personnes. Je me dis, mais ce n'est pas possible qu'il y ait autant de gens qui souhaitent contrôler leur poids. Et c'est là que je me suis dit, il ne faut pas être bête dans la vie. Il faut suivre et aller dans le sens des clients. Ils nous demandent de perdre du poids, pourquoi pas ? Et on m'avait déjà dit, effectivement, dans la vente directe, quelqu'un me l'avait dit un jour, « Jeannine, si tu veux réussir dans la vente directe, il y a une opportunité qui est intéressante, c'est qu'il faut que tu vendes quelque chose qui se mange, quelque chose qui se consomme. Pourquoi ? Parce que tout le monde mange dans la vie et tout le monde mange tous les jours. Et tout le monde n'achète pas un bijou tous les jours, tout le monde n'achète pas une lingerie tous les jours, tout le monde n'achète pas des bougies tous les jours. » Vous avez tout un tas de choses dans la vente directe qui sont très, très bien. Je n'ai rien contre. D'ailleurs, c'est ça qui m'a fait avancer. Mais la nutrition, c'est vrai. Alors, on n'aura pas tous les clients. C'est normal. Tout le monde ne va pas prendre Herbalife parce que c'est Herbalife. Non. Mais quand vous avez un résultat et que vous le prouvez et que vous restez sur votre résultat, il est clair que vous allez faire des clientes, mais tant que vous voulez, en fait. Alors, j'ai choisi Herbalife pour ça. En même temps, c'est pour mon bien-être. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis à mes clients, j'investis pour ma santé. Moi, je veux vieillir en forme. Si je suis encore là dans 10 ans, c'est encore là 10 ans. Et vous m'entendrez dans 10 ans. Parce qu'il n'y a aucun souci. Jamais, jamais, mais jamais de la vie, je ne quitterai cette société et surtout pas ces produits. Parce qu'aujourd'hui, ce sont ces produits qui font la différence. Et plus vous allez essayer de produits, plus vous allez pouvoir convaincre vos clients. Parce que c'est ce que je fais tous les jours. Je vais vous parler d'un produit, par exemple le bêta-art. Quand le bêta-art est sorti, il fallait l'essayer. J'avais moi-même du cholestérol, un peu trop. J'ai toujours eu dans ma vie. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion de le tester. Et puis là, je dis, si ça marche sur moi, j'ai dit, c'est bon, je pourrais le vendre. Ça a marché. J'ai pris le produit pendant 6 mois à peu près. Correctement, 2 fois par jour, vous pourrez le demander à votre sponsor si ça vous dit. Eh bien, j'ai eu un résultat de dingue. Je suis allée chez mon médecin faire un bilan sanguin 6 mois après et le bilan est tombé. Et mon médecin m'a demandé tout de suite, mais vous avez fait quoi, madame Gézégou ? Et là, j'ai sorti la boîte que j'avais dans mon sac à main, vide. Je la lui ai tendue et je lui ai dit, voilà, c'est avec ça que j'ai pu perdre mon cholestérol, mon mauvais cholestérol. Et en plus, j'avais perdu le mauvais, mais j'avais augmenté le bon cholestérol dans la foulée. Donc, elle n'en revenait pas. Elle me dit, mais il y a quoi là-dedans ? J'ai dit, écoutez, je vous laisse regarder. J'ai tendu la boîte, j'ai attendu qu'elle la prenne dans ses mains avant d'enlever le bras. Elle a regardé, elle n'a rien dit. Elle m'a rendu la boîte, elle me dit, ça ne me servira à rien, je vous la rends.
Je dis, OK, d'accord, je vous ai préparé la fiche technique. Je dis, si un jour. Et elle me dit ça, je veux bien garder. Elle a gardé la fiche technique. Pour autant, elle n'est pas cliente. Mais voilà, c'est comme ça. Elle y viendra peut-être parce que je m'aperçois quand même quand je vais lui faire des petites visites, rarement, parce que si elle n'avait que des clients comme moi, elle ferait faillite. Il y a longtemps qu'elle fermerait ses portes. Mais quand je vais la voir pour une prise de sang, parce que je suis assez régulière là-dessus, je demande, eh bien, je vois bien qu'elle s'arrondit aussi. Elle approche de la quarantaine, 50, 40, 50, et elle s'arrondit aussi. Peut-être qu'un jour, je l'aurai en cliente. Parce que ce ne sera pas la première. J'ai déjà aidé 3 femmes de médecins qui sont venues chez moi pour demander de l'aide. Et le mari d'une médecin qui est venue aussi et qui a eu un excellent résultat. Donc, ça prouve bien que les produits, ça marche. À partir de là, si on fait un bon suivi chez ses clients, automatiquement, on a les clients qui reviennent et qui donnent des recommandations. Et moi, mes recommandations, je ne travaille qu'avec ça, finalement. Les recommandations et le contact direct. Alors, les recommandations, je ne sais pas les demander aux clients. Je les ai gratuitement et par rapport à mes suivis bien faits. Ce sont les clients satisfaits qui me disent, ou qui disent à leurs clients, appelez Madame Jésigou de ma part, voilà son numéro de téléphone, et appelez-la, dites-lui que vous venez de ma part. Et je offre après un petit cadeau, bien sûr, à la personne qui a fait le geste de m'amener une cliente. Je vais la remercier et lui envoyer un petit cadeau. Alors, c'est souvent une boîte de Barranca. Elle en est très satisfaite. Quelquefois, elle est très surprise parce qu'elle ne s'entendait pas du tout. Mais ça fait toujours plaisir. Et puis, il faut savoir reconnaître quand même. Alors, quelque chose qui vous importe, je pense, et que je peux vous apprendre, c'est comment je travaille. Parce que ça, souvent, on se pose la question, mais comment elle fait à cet âge-là? Alors, je vais vous étonner parce que je n'ai pas de club de nutrition. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux du tout. Ce n'est pas mon truc. Je n'y connais rien. Je ne maîtrise pas beaucoup l'ordinateur. Vous savez, un coup de bol que j'ai réussi à me joindre à vous tout de suite, là. Mais je ne suis pas très douée là-dedans. Mais j'apprends. Donc, ça va venir. Je ne suis pas une sportive. Donc, je ne travaille pas avec les feet, les marches, les choses comme ça. Je fais uniquement du contact direct. Et tous mes clients, c'est uniquement du contact direct. Vous me demandez d'aller dans la rue, j'adore. Mais j'adore. C'est un plaisir pour moi. Et pour ne vous citer que cette semaine, je me suis dit, écoute, c'est avant les fêtes. Là, tu te donnes à fond parce qu'en janvier, on va récupérer tous les clients. Vous savez, les gens prennent des bonnes résolutions à Noël, au premier de l'an. Première résolution, oui, je veux gagner plus d'argent. Je veux maigrir, je veux perdre du poids, je veux être en forme, je veux être en bonne santé. Ce sont en général les souhaits dont tout le monde rêve. Donc, on a tout ce qu'il faut pour leur répondre. Et là, on vous dit toujours, et je suis une fille d'agriculteur, pour ça je le sais, il faut semer avant de récolter. Et là, donc, en ce moment, il est plus que temps, si vous ne l'avez pas fait, de semer, de distribuer vos prospectus si vous le faites comme ça, mais il est urgent de faire le nécessaire immédiatement si vous voulez récolter en janvier. Sinon, janvier, vous allez peiner et vous allez perdre un mois. Et puis, c'est tout. Et ça, on ne peut pas se permettre de perdre du temps. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, ça ne se rattrape pas. Donc, il faut le faire. Et je me suis dit la semaine dernière, eh bien, tu vas faire que de la prospection. Tu vas essayer de faire ça. Et 2 heures par jour. Donc, j'ai choisi mes horaires. Je préfère l'après-midi, en début d'après-midi, 2 heures, 4 heures. Et je m'installe dès le premier jour sur un parking, un village à quelques kilomètres de chez moi, à 1 quart d'heure, 20 minutes. Et je m'installe là. Je garde ma voiture et je me dis, allez, première porte, tu y vas. Et là, je fais toutes les portes sans exception, aucune. Que ce soit un boulanger, une salle de sport, la banque, un assureur, une pharmacie, un opticien, tous, sans exception. Je ne regarde pas. Un avocat, n'importe, peu importe. Je rentre et le deuxième magasin que je faisais, c'était un bar tabac. Je rentre, la personne était seule. Je lui demande si elle était la responsable.
et je lui demande si elle voulait bien accepter de mettre mes flyers sur son comptoir. Elle me dit, mais bien sûr. Je lui dis, je vous laisse d'abord regarder de quoi il en retourne. Et je lui tends mon prospectus, elle le regarde. Pendant ce temps-là, quand je donne le prospectus, je ne dis rien, je me tais. J'attends que la personne ait le temps de le lire. Quand elle a fini de le lire, je lui dis, est-ce que ça vous dit ? Elle me dit, bien sûr, mais laissez-les, madame, vous pouvez les laisser, il n'y a pas de problème. Et puis, comme je voyais qu'il n'y avait pas trop de clients, je commençais à discuter avec elle. Je lui dis, vous êtes salariée à l'entreprise, vous travaillez à temps plein, vous travaillez à temps partiel ? Elle dit, je travaille à temps partiel. Je lui dis, vous n'auriez pas aimé augmenter vos revenus, faire quelque chose ? Je lui dis, parce que je suis à la recherche de collaborateurs ou de collaboratrices pour travailler avec moi, parce que nous ne sommes pas assez nombreux dans la région. Elle me dit, ah bon ? Et vous cherchez qui comme ça ? Je lui dis, peu importe, tout le monde. Jeune, moins jeune, homme, femme. Je lui dis, d'ailleurs, moi, je suis en retraite et je le fais. J'ai 75 ans. Elle me dit, vous avez 75 ans ? Je lui dis, oui. Eh bien, vous ne les faites pas, madame, qu'elle me fait. Je lui dis, non. Ben, vous voyez, ça permet de garder la forme et d'être en forme. Et donc, voilà. Donc, j'ai discuté avec elle. J'ai commencé à lui parler de son petit déjeuner. Je dis, vous vous nourrissez comment ? Vous prenez comment votre petit déjeuner ? Très mal. Elle buvait un café. Eh bien, à discuter gentiment, calmement avec elle, eh bien, elle m'a donné ses coordonnées et je dois la rencontrer. Donc, vous voyez, première personne, je me fais une cliente tout de suite. Enfin, ça va se faire la semaine prochaine ou la semaine d'après. Une personne était là. Elle est rentrée. Elle a pris ce qu'elle voulait prendre. Je me suis mise un petit peu de côté, je dis j'attends un petit peu. Et cette personne, elle a pris le produit. Et puis voilà qu'elle s'est liée à la conversation aussi, un petit peu. Une troisième personne arrive, je lui dis ben, on s'écarte, on discute. Et je discute avec ce monsieur qui venait d'en être servi. Je lui dis pardon monsieur, je lui dis vous êtes là. Je lui dis écoutez, je demandais à la dame tout à l'heure si elle ne connaissait pas des personnes qui chercheraient une activité. Je vous pose la même question. Est-ce que vous, ça peut vous intéresser ? Il me dit, oh, je suis débordé de travail, je suis pas restaurateur, il est cuisinier dans un grand restaurant. Mais je dis, mais vous seriez d'une aide sérieuse dans notre équipe. Je dis, ce serait génial de pouvoir travailler avec vous. Eh bien, ça y est, je l'ai intéressé et je dois le rencontrer. Deux personnes, coup sur coup, dans le même magasin. Je suis sortie, il pleuvait, il ventait, il faisait mauvais, j'avais froid, j'étais gelée. Je me suis dit, bon, ben, Janine, tu peux rentrer à la maison, hein, tu as deux numéros, c'est bon, avec ça tu travailles, tu rentres. Et puis j'ai mis les pieds dehors et je me suis dit, ah non, pourquoi tu rentrerais maintenant ? Tu as dit que tu allais travailler 2 heures. 2 heures, c'est 2 heures, ce n'est pas un quart d'heure, ni 20 minutes. Donc tu fais 2 heures. Et bien j'ai continué et j'ai 4 contacts dans mes 2 heures. Donc vous voyez, c'est très simple, très très simple. Alors je travaille toujours avec une petite pochette comme ceci, que je tiens dans mon sac. Je ne sais pas si vous la voyez. Vous pouvez me mettre un pouce ? Oui, vous la voyez, Raquel ? Tu me dis, voilà. Donc, tout le monde la voit. Et je travaille avec cette pochette. Quand j'arrive chez le commerçant, je sors ma publicité et je la lui donne dans les mains. Elle est ici. Et après, quand je vois que la personne est assez intéressée, je lui sors ma photo qui est juste derrière, ma photo avant-après. Et là, ça, tout le monde est scotché. On me dit, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas vous, là. Je dis, si, c'est moi. À 57 ans, à 61 ans, à 71 ans sur la troisième. Et je dis, aujourd'hui, vous me voyez devant vous, j'ai 75 ans. Eh bien, dis donc. Et les gens sont étonnés et ça marche tout seul. C'est vraiment d'une facilité et moi, je trouve ça génial, quoi. Jamais vous n'êtes renvoyé. Les clients ne vous renvoient pas. Ou ils vous disent non, ou ils vous disent oui. Mais de toute façon, ils ne vont pas vous jeter. Si vous les abordez d'une façon agréable, en disant bonjour, en étant souriante, en ayant le look qu'il faut, en étant clair, net, propre, eh bien écoutez, ça marche tout seul. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter pour ça. Le marketing par réseau, c'est quelque chose qui fonctionne et ne l'oubliez jamais, jamais, jamais. Donc, vous n'avez pas besoin d'être super doué dans tout ceci, cela pour réussir. Vous voyez, à n'importe quel âge, on peut réussir et sans avoir de compétences
importante dans les clubs, dans les réseaux sociaux, ni quoi que ce soit. Donc, si parmi vous, il y a des gens comme moi, ben, fixez-vous mettez-vous du travail en tête, des horaires où vous allez vraiment vous y mettre, et ce sera très facile, très, très, très facile. Alors, pourquoi je reste chez Herbalife? Il y a bien une raison, déjà les revenus, ça c'est sûr, les cadeaux, parce qu'il y a de la reconnaissance. On est gâté chez Herbalife dès qu'on essaie de faire les choses comme il faut et qu'on les réalise. Bien sûr, c'est comme à l'école, hein. Autrefois, moi, vous n'avez pas connu, moi j'avais la croix d'honneur quand je travaillais bien. Ben ici, Herbalife ne nous donne pas la croix d'honneur, mais elle nous fait de beaux cadeaux et elle nous offre des voyages. Et je peux vous dire, pour avoir assisté à plusieurs reprises à des voyages Herbalife, que vraiment, ils ne se fichent pas de nous, quoi. Ce sont des super voyages. Et c'est vrai qu'avant, j'étais commerçante et je voyageais pas mal. Je voyageais deux ou trois fois par an aussi. Mais jamais je me suis permise des beaux hôtels ni des beaux restaurants comme avec Herbalife. Jamais. Donc, vous voyez, ça fait une différence quand même. Et là, les voyages, je les fais maintenant, mais gratuitement. On me les offre. Alors, c'est d'autant plus intéressant. Voilà, donc ça pour ça. Alors, mes revenus avec la société. Mes revenus, c'est vrai qu'en tant que commerçante, vous allez me dire, j'ai une retraite. Oui, à part que j'ai divorcé. Et on ne payait que pour mon mari, pour mon ex-mari, donc, et pas pour moi. Donc, ma retraite, je touche exactement 295 euros par mois. Donc, je peux vous dire que si j'avais dû compter sur ma retraite, eh ben, je vendais ma maison, je vendais tout, je vendais ma propriété et j'allais vivre dans un appartement. C'est tout. Parce que là, je n'aurais pas pu mes économies. Vous savez, les économies, c'est vite fait de les dépenser. Ça file dans les années et je n'aurais pas pu vivre comme ça. Aujourd'hui, grâce à Herbalife, je vis très, très bien parce que mes revenus, c'est une moyenne de 6 000 euros par mois depuis toute cette année. Et le mois où Herbalife m'a rémunéré le plus, c'était 7 550. C'était le mois de juin de cette année. Donc, vous voyez, je n'ai pas l'intention de m'arrêter là, loin de là, parce que maintenant, je travaille pour mon millionnaire. Et j'espère que je vais y arriver parce que par la porte ou par la fenêtre, je suis quelqu'un de volontaire. J'ai toujours été comme ça, je suis une battante. Et si c'est par la porte ou par la fenêtre, mais c'est vrai que je vais faire le maximum. Et vous me reverrez, j'espère encore, chez Herbalife. Si on a l'occasion de faire des voyages, je ne sais pas, peut-être que parmi vous, je vais vous rencontrer cette année en Thaïlande. Il y a peut-être quelques-unes qui se sont déjà inscrites. Parce que pour moi, ce sera la Thaïlande cette année. Et je viendrai avec ma fille d'ailleurs, qui n'est pas dans le métier, mais qui consomme bien les produits. Donc, voilà, les vacances, c'est génial. Ça permet de bouger et de voir tout ce qui a à voir autour de nous. Et quelque chose, c'est vrai que vous qui me regardez, je pense que parmi vous, il y a des personnes qui pourrait être, vous pourriez être ma fille ou mes petites filles, parce que vous êtes jeunes. Et il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent, et vous vous posez des questions en vous disant, au fait, je n'ai pas encore cherché mes cadeaux, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas ce que je vais offrir à maman, je ne sais pas ce que je vais offrir à ma grand-mère, mais vous avez tout ce qu'il faut dans votre boutique, vous avez tout ce qu'il faut, chère Malaï. Alors, pourquoi ne pas leur offrir? Parce que moi, personnellement, c'est pour ça d'ailleurs que je reste sur les produits aussi, c'est parce que j'ai une histoire derrière et l'histoire de mon papa qui a vécu ces trois dernières années et demie chez moi, puisque maman était décédée 7 ans auparavant d'un AVC, malheureusement, à l'époque où je ne connaissais pas encore Herbalife, parce que sinon, j'aurais peut-être réussi à la sauver en lui faisant manger différemment. Parce qu'elle a toujours été ronde toute sa vie, mais c'est comme ça. Et donc, papa est venu habiter chez moi quand il était très, très mal. Il était à deux doigts de partir. Et je l'ai sauvé pour 3 ans et demi. Il est resté chez moi. Et quand il est arrivé, il avait du diabète. J'ai regardé tous ses médicaments. Et je lui ai fait, mais papa, tu as du diabète? Il me dit, mais oui. Ben, je dis, tu ne me l'avais jamais dit. Il me dit, mais je ne suis pas obligée de tout te dire. Je dis, tu as raison. Je dis, tu as raison. Mais je dis...
Je lui pose la question tout simplement. Je lui dis, tu manges combien de yaourts aux fruits par jour? Parce que je sais que tu aimes ça. Alors, il me dit, j'en mange 3, voire 4. Je lui dis, écoute, alors tu arrives ici, mais c'est la première chose que je vais te supprimer. Parce que ça, les yaourts aux fruits, je dis, c'est beaucoup trop riche en sucre pour quelqu'un comme toi qui a du diabète. Je ne comprends pas que ton médecin ne t'ait pas prévenu. Il me dit, non, il ne m'a rien dit. Il m'a donné les médicaments qu'il fallait prendre. Et papa prenait 2 cachets de diamicron par jour. Je peux vous jurer qu'en l'espace de quelques mois, rien qu'en enlevant les yaourts aux fruits et en les remplaçant par des yaourts nature, dans lesquels je mettais une dose de Formule 1 chocolat, puisqu'il aimait le chocolat, dose de Formule 1 chocolat 3 fois par jour, le matin après son petit-déj. Petit déjeuner classique, je n'ai pas voulu lui changer sa vie à 87 ans. À 87 ans, je ne lui ai pas dit, papa, tu vas commencer à prendre des shakers. Non. Je l'ai laissé avec son café pain beurre. Mais par contre, il terminait tous ses repas avec un yaourt et une cuillère de Formule 1 dedans. Formule 1, donc, le matin, à midi, le soir, certains compléments nutritionnels que je lui donnais aussi, d'office. Et quand il est décédé, alors, c'était peut-être quelques jours après après qu'il ait été hospitalisé, parce qu'il est parti malheureusement en 3 semaines à cause d'un œdème pulmonaire. Et à l'hôpital, je suis tombée un jour sur son médecin, un médecin qui était dans sa chambre et qui donc était venu pour sa visite certainement, et qui me sort cette phrase, « Madame Gézégou, votre papa, il mange bien. » Alors je lui fais « c'est une blague ». Il me dit, parce que j'ai cru que papa, en fait, finissait ses assiettes, tout simplement. Je pensais qu'il parlait de ça. Et il me dit, non, madame, je n'ai pas l'habitude de plaisanter sur ces choses-là. Je lui dis, ah bon ? Mais je lui dis, mais alors pourquoi vous me dites ça ? Et il me dit, un bilan sanguin comme ça, à 90 ans, on ne voit jamais. Je lui dis, vous ne voyez jamais. Je lui dis, avec tout ce qui existe dans les grandes surfaces, partout, le choix que l'on a. Il me dit, et qu'est-ce qui reste de bien dans tout ça, madame? Et là, je lui dis, écoutez, docteur, vous ne me connaissez pas, vous ne m'avez jamais vu. Vous n'avez jamais vu papa. C'est bien la première fois. Je lui dis, sachez une chose, c'est que je suis coach en nutrition et que j'apprends mon métier avec des médecins comme vous, médecins spécialistes dans la nutrition, dont un prix Nobel. Et papa, il vit chez moi. Il a reculé de 2 pas, il m'a regardé de la tête aux pieds. Et il me dit, eh ben chez vous, on mange bien, madame. Et là, je me suis approchée de lui. Je lui ai dit, docteur, vous allez arrêter de dire aux gens que les compléments nutritionnels ne servent à rien et que les repas protéinés sont là pour nous abîmer les reins et tout ce que vous voulez. Sans savoir, je dis que nous, ce que nous mangeons, ce sont des protéines végétales. C'est donc sans déchets et sans cholestérol. Et là, il me fait, ah bon ? Et c'est quoi ces produits que vous lui donnez ? Je dis « Herbalife, vous connaissez ?» Et puis il me fait « Non ». Eh bien, je dis « Voilà, vous voyez, vous ne connaissez pas. Alors, pourquoi vous dites aux gens que ça ne sert à rien ? Là, vous avez la preuve. C'est vous qui venez de me le dire. » Et il me dit « Oui, parce que des bilans comme ça, effectivement, c'est peut-être le 2e de mon existence ou le 3e que je vois comme votre papa. » Donc, dites-vous bien une chose, je suis rentrée à la maison. Croyez-moi que je me suis dit dans la tête « Jamais ». Jamais, mais jamais, personne ne m'empêchera de prendre ces produits. Et mes enfants le savent très bien. Si demain je suis hospitalisée, les produits Herbalife, ils sont sur mon chevet. Ce n'est pas... Le médecin ne me fait pas peur. Ce n'est pas lui qui décide de ma vie si j'ai envie de prendre les produits ou pas les produits et si j'ai envie de prendre les compléments, même si je suis hospitalisée. C'est moi qui décide pour moi. Et croyez-moi, mon papa, il était à l'hôpital pendant 3 semaines. Les produits Herbalife étaient sur son chevet, les compléments étaient sur son chevet. J'allais lui apporter à chaque repas ces compléments. Malheureusement, je n'ai pas pu le sauver puisqu'il est quand même parti sous 3 semaines. Mais croyez-moi que ça a été une leçon pour moi et c'est pour ça que jamais de la vie je ne laisserai tomber Herbalife. Jamais. Et c'est pour ça que je suis aussi acharnée et aussi convaincue qu'il faut qu'on soit là pour aider les gens. Et vous avez de la chance si vous avez... 20 ans, 25 ans, 30 ans, de connaître Herbalife maintenant. Parce que vous pouvez tout de suite axer des produits pour être en bonne santé et en bonne santé toute votre vie. Quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, protégez-vous, faites le nécessaire.
mangez pas n'importe quoi. Vous avez ce qu'il faut sous la main, mangez bien. Et surtout, n'abandonnez jamais l'activité. Mais jamais. Mettez-la en sourdine si vous n'êtes pas prêt à continuer ou si à des moments donnés, ça ne va pas. Mettez-la en sourdine, continuez à prendre les produits. Reprenez l'activité quand c'est temps de la reprendre, mais ne lâchez jamais. Il n'y a que les gens qui abandonnent, qui n'arrivent à rien. Quand vous tenez bon, un jour ou l'autre, vous tomberez sur les bonnes personnes. Vous allez aider des bonnes personnes et vous aurez des reconnaissances avec ces gens-là parce que c'est incroyable. Moi, j'ai vu des gens pleurer dans mes bras pour les avoir aidés. Et ça me fait encore, j'en ai encore les larmes. C'est quelque chose d'incroyable, ce qu'on peut vivre avec les gens. Alors, n'oublie jamais tout ça parce que c'est vraiment notre avenir et on a une chance incroyable, mais incroyable, d'avoir des produits comme ça. Alors, je vous parlais de vos parents et des cadeaux que vous pouvez leur offrir. Voyez ça avec votre coach, parce qu'il sera capable de vous dire ce qu'il peut prendre s'il sent un petit peu comme moi, de l'arthrose au niveau des mains, des doigts. Écoutez, moi, je suis sauvée avec les oméga-3. J'en consomme 3 par jour, mais ça me sauve la vie. Sinon, je ne pourrais pas bouger les doigts ni les mains le matin en me réveillant. Là, je fais ce que je veux. Je me lève aujourd'hui comme si j'avais 20 ans. Je n'ai mal nulle part, je n'ai aucune douleur nulle part, pour la bonne raison que, comme j'ai eu une tendinite à l'épaule droite, le collagène. Et je n'arrive pas à avoir un rendez-vous avec un kiné, parce que je voudrais quand même avoir une meilleure amplitude au niveau de mon épaule. Je n'arrive pas à avoir de rendez-vous pour l'instant. Donc, je consomme justement ce collagène et je n'ai plus mal à l'épaule, je n'ai aucun mal. Donc, ça aide énormément. Et il y a plein de produits comme ça. Je suis sûre que vos parents souffrent d'un petit bobo ici ou là. Que ce soit un produit à 20 euros, à 50 ou à 100, vous pouvez trouver dans la gamme un tas de produits qui peuvent leur faire plaisir, même si ce n'est qu'une Formule 1. Le gel à l'aloe vera, mais il doit être présent dans toutes les familles. Celui-là, demandez à votre sponsor à quoi il sert. Mais moi, je dis aux gens, mais ça, c'est indispensable dans toute la famille, pour tout le monde de votre famille. Donc, les shampoings, les après-shampoings, enfin, on a des produits extraordinaires. Donc, à ne rien manquer. Et ne ratez pas votre fin d'année. Essayez de faire plaisir autour de vous, de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et peut-être qu'on aura l'occasion de se rencontrer au kick-off. J'espère que parmi vous, vous êtes inscrits déjà, parce que c'est ce que je me dis à mes nouveaux distributeurs qui démarrent maintenant, les personnes que je mets en place maintenant. J'essaie de les mettre tout de suite sur le kick-off parce que je leur dis, vous allez gagner un an. Vous allez gagner un an. Et j'ose dire à mes clientes, vous savez, je vous offre une mine d'or, parce que Herbalife, c'est vraiment une mine d'or. Alors, ça ne va pas marcher pour tout le monde. Je dis, il y en a qui vont s'en servir et qui vont bien travailler avec ça. Par contre, à côté de ça, on a des gens qui ne vont rien faire. Je dis donc, c'est vous qui voyez. Je dis, moi, je vais vous aider. Par contre, sachez une chose, je marche avec les gens qui marchent, je cours avec les gens qui courent et je dors avec les gens qui dorment. Et souvent, j'ajoute, à bon entendeur, salut, parce que ça les fait rire. Et je travaille comme ça, dans la simplicité, et ça fonctionne. Vous voyez, tout fonctionne. Donc, battez-vous, vieillissez bien. Bon, vous êtes très jeune, donc faites ce bon parcours, travaillez bien les produits Herbalife, consommez-en le maximum pour ne pas dire de bêtises aux gens et mentir aux gens. Parce que j'ai horreur de ça. Moi, je parle que des produits que j'ai essayés et là où j'ai vu qu'il y avait des résultats avec. Sinon, j'attends de faire l'expérience. Et je vais vous dire une chose, il y a quelque chose que je vais tester certainement de plus en plus, c'est le fameux back mix. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, mais j'ai commencé à faire des galettes avec, des galettes salées. Et tout à l'heure, j'étais en train d'en manger, j'en ai à côté de moi, des petites galettes au thon, avec le bag mix et le velouté tomate. C'est excellent, mais excellent, chaud comme froid. Donc,
Vous pouvez tester tout ça et faire de bonnes petites choses pour les réveillons, les apéritifs dînatoires. Ça passe très, très bien. Et vous pouvez très bien les faire en chaud, en sucré et en salé. Voilà pour moi. Alors, surtout, battez-vous et n'abandonnez jamais, 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 parce que vraiment, l'affaire, elle est trop belle. Elle est trop belle. Merci, Janine. On peut t'applaudir bien fort déjà dans un premier temps. Merci, merci, merci. Merci, Sylvain. Plein d'informations, plein d'émotions. C'était vraiment touchant. Merci pour, comme je vois tous les commentaires de tout le monde, de cette passion que tu dégages et que tu transmets. C'était vraiment super. Alors peut-être, d'habitude, on a l'habitude d'ouvrir à quelques petites questions, si jamais ça ne t'embête pas. Non, pas du tout. Donc, s'il y en a certains d'entre vous qui ont des questions, eh ben, c'est le moment. Allons-y. Alors, mettez votre micro et puis c'est parti. Qui est-ce qui veut commencer ? Moi, j'aurais une petite question. Vas-y, je ne sais pas si on m'en sort bien. Donc, déjà, merci à toi, Janine, pour ce témoignage. Et comme quoi, tu mets vraiment en avant le prendre, que c'est vraiment important et que ça se voit que tu es amoureux des produits. Et la question que j'aurais envie de te poser, c'est par rapport à mes anciens. Quel discours je pourrais leur apporter pour vraiment les sensibiliser à prendre sérieusement leur nutrition? Alors, on n'est pas là pour convaincre, déjà. On est là pour les aider. Moi, papa est venu au produit, je ne lui ai jamais dit de les prendre, en fait. Quand il est arrivé chez moi, il m'a vu les prendre. Il a vu qu'avant chaque repas, je posais ma serviette sur la table, parce que sinon, je ne savais plus si je l'avais déjà pris ou pas. Alors, ça a été le truc. Je pose ma serviette sur la table dès que j'arrive dans ma cuisine. Et j'ouvre ma boîte. J'ai une grande boîte avec tous mes compléments dedans. J'ouvre et je me sers. Et je mets tous mes compléments sur la serviette. Je prends mon verre d'eau et j'avale. Et je prends un deuxième verre d'eau aussitôt dessus. Et après, je commence à préparer les repas. Et comme il mangeait avec moi, il me voyait prendre les compléments. Et un jour, il me sort. Mais si c'est si bien que ça pour toi, ce serait peut-être bon pour moi. Et voilà, c'est venu comme ça. Et là, je lui ai dit, oh là là, papa, c'est super. Eh bien, je te les donne dès aujourd'hui. Tu seras que mieux de toute façon. Tu t'en porteras que mieux, donc vas-y. J'avais juste changé uniquement avant comment je vous ai dit tout à l'heure, ces yaourts aux fruits. C'est la seule chose que j'avais changée. Je ne l'avais pas mis sur les compléments tout de suite parce que je me suis dit, oh, il va prendre ça pour des médicaments, il ne va pas comprendre. Mais si, il a très bien compris. Et dès qu'il m'a dit ça, je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, je te les donne. Et il n'a jamais quitté. Donc, c'est faites-le devant vos grands-parents, devant vos parents. Donc, s'ils ne viennent pas chez vous et que vous allez les voir pour le réveillon, si vous allez les voir, vous allez certainement prendre le goûter avec eux ou un repas avec eux. Ayez votre petite boîte, la petite boîte d'Herbalife dans laquelle vous mettez tous vos compléments. Et puis, prenez les compléments devant eux. Ils vont se poser des questions. T'es malade ? Mais non, je suis en super forme grâce à ça. Oui, vous leur répondez tout de suite. C'est la meilleure des solutions. Et pourquoi pas prendre un shaker et arriver avec votre shaker chez votre grand-mère ou chez les grands-parents ou chez les parents avec un demi-repas dedans avant les réveillons. C'est ce que les médecins nous avaient donné comme conseil un jour. Avant de partir réveillonner, avant d'aller manger un repas chez des invités, quand vous êtes invité, aller chez des amis, avant de partir de chez vous, prenez un demi-shaker, un demi-repas Herbalife. Et vous allez réussir à tenir sur du long terme beaucoup plus facilement. Pourquoi ? Parce qu'à l'apéritif, vous allez moins tendre les mains. Et vous allez moins manger de cacahuètes et de toutes ces cochonneries-là. Donc, automatiquement, faites-le devant les gens et devant votre famille. Moi, il faut provoquer les choses. Vous n'avez pas besoin de leur en parler, il faut provoquer et il faut laisser venir. Vous laissez la conversation venir, tout simplement. Trop bien, trop bien. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait des questions éventuellement ? Oui, Sylvain, Janine, bonsoir. Bonsoir. Dis-moi, Janine, ma question porte surtout sur la duplication. As-tu des documents que tu transmets aux futurs distributeurs qui veulent développer une activité ? As-tu des scripts ? As-tu des documents ? Non, ils font ça spontanément. C'est-à-dire qu'ils viennent chez moi. En fait, mes distributeurs, ils viennent chez moi et ils apprennent chez moi.
Donc, la première chose que je leur apprends, c'est à se servir de l'impédance. Je ça, c'est la première. On parle des joueurs noirs de l'équipe de France qui ont été. Ah, il y a eu un petit bug, je ne sais pas. Vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. On t'entend, Janine, c'est tout bon. Oui, moi, les distributeurs, quand elles démarrent, ou les distributrices, elles viennent chez moi. Et la première chose que je leur apprends, c'est à faire un impédance. Donc, à s'occuper de tout ça. D'ailleurs, je leur fais le leur, tout de suite, et je le détaille. Et je leur donne toutes les données par rapport à ça. Mais ça, vous l'avez, je pense, avec votre sponsor. Vous devez avoir des feuilles ou des explications pour l'impédance. Et demandez-lui, parce que moi, l'autre jour, j'ai fait une réunion avec mon équipe. Et on a demandé à quelqu'un de se sacrifier, en fait, si on veut, pour qu'on donne son poids et son analyse devant tout le monde. On était 13 personnes. On l'a fait là. Il y a une personne qui a dit, moi, je suis OK. Allez, hop, on a développé son impédance. Mais j'ai quand même passé là-dessus 2h30. Vous voyez, pour les 13 personnes, on a passé 2h30. Mais j'ai profité de donner des petites phrases que j'ai appris au fil des années par nos médecins quand on allait dans les grandes formations. Et je leur fais écrire ça. Donc, des phrases types comme, par exemple, on n'est pas là pour remplir un estomac, on est là pour nourrir un corps, par exemple. Voilà une phrase qu'il faut que vous notiez et que vous puissiez répéter. On n'est pas là pour remplir un estomac, on est là pour nourrir un corps. Et entre ce qu'on mange, expliquer ce qui est la nutrition vraiment, ce que le corps va récupérer dans les aliments pour bien se nourrir. Moi, je parle plus comme ça à mes distributeurs. Et quand ils ont besoin de moi, ils viennent à la maison et je leur apprends au fur et à mesure les petites choses. Mais j'ai pas de procédé type, si vous voulez. Je peux pas. Janine, j'ai une question. Et combien tu as de distributeurs dans ton équipe aujourd'hui, ou de superviseurs, pardon? Alors, de superviseur, on doit être rendu à 53, 55, je ne sais plus exactement. Je ne fais même pas trop attention. Mais j'ai surtout, je ne sais pas, on n'a pas l'habitude de dire ça chez Herbalife, mais c'était dans une société de marketing par réseau que j'avais avant. On appelle ça des pattes. Nous, on appelait ça des pattes. J'ai deux bonnes lignées, si vous voulez. Oui, chez Herbalife, on dit plutôt des lignées. J'ai deux bonnes lignées et je suis fière. Très fière de mon équipe, avec Annie Ferroc, que vous connaissez peut-être certains d'entre vous, et Sophie Kerdiles. C'est deux personnes qui travaillent avec moi, qui travaillent toutes les deux différemment de moi. Moi, j'adore le contact direct. Sophie Kerdiles travaille que par les réseaux sociaux. Elle est très douée là-dessus. Et Annie Ferroc travaille plutôt par les marathons, les 21 jours challenge, les salons. Vous voyez, on est trois personnes et trois personnes différentes. Mais c'est vrai que quand on est en formation, ça permet de mettre tout le monde à l'aise parce que les personnes, elles ont le choix. Ou elles aiment ce que fait Annie, ou elles aiment ce que fait Sophie, ou elles aiment ce que je fais moi. Et puis chacun travaille de sa façon comme ça. Trop bien. Qu'est-ce que tu pourrais dire à tout le monde là, pour l'importance de notre kick-off qui arrive? Ben que c'est important, c'est ce que je venais de dire. De toute façon, moi, une personne qui démarre aujourd'hui, je lui dis gagnez un an et inscrivez-vous tout de suite, quoi. Et là, j'ai eu la chance, la chance, je l'ai aussi provoquée parce que c'est une personne que j'ai rencontrée dernièrement encore, mais qui était cliente depuis 4 ans et dont le mari, un coup de bol, vient d'ouvrir une salle de sport. Donc, je lui ai dit, ben là, on a moyen de travailler. Et je dis, tu sais, si tu veux travailler, il faut que tu sois disponible le week-end du 28-29 janvier parce que c'est très, très, très important pour toi. Je dis, tu as une chance inouïe d'avoir ça juste là, à un mois, tu démarres. Eh bien, tu vas rencontrer des médecins, tu vas rencontrer tout un tas de gens. Mais ça va te faire avancer et gagner un an. Donc, tu vas tout de suite, ça va te permettre de gagner ta vie beaucoup plus rapidement avec Herbalife. Et elle s'est inscrite tout de suite. Elle m'a dit, oui, je m'inscris. Première réunion aussi à Lorient, puisque c'est tout près de chez nous. On a une première réunion le 8 janvier. Je crois que toi, tu en fais aussi tout le temps, Sylvain, à droite à gauche. Eh bien, elle est inscrite là aussi. Voilà quelqu'un où je vais être encouragée et je vais passer plus de temps, forcément, à l'aider qu'une personne qui ne va pas bouger.
C'est logique. La personne, quand elle va bouger, je vais bouger, en fait. C'est un peu ça. Trop bien, Janine. On ne va pas prendre toute cette soirée, à moins qu'il y ait une dernière petite question, peut-être. Oui, vas-y, Quentin. Oui, merci. C'est tout bête, mais j'aimerais connaître ton flyer, ce fameux flyer-là. Alors, que tu présentes. Qu'est-ce que tu mets techniquement dessus? C'est bête, mais... Alors là, c'est moi qui l'ai un petit peu fait à ma façon. Je ne sais pas si vous le voyez là. La photo, ouais. Oui. Ton adresse, ton numéro, ton contact, et tu mets une petite phrase, tu mets... Vous ne pouvez pas la lire? Non. Attends, je vais essayer de l'agrandir. Remise en forme, contrôle de poids, soins du visage, nutrition. Ouais, les quatre grandes lignes. Oui. Ouais. En fait, j'ai ma photo. J'ai marqué en haut, prenez le temps de faire le point. Tout simplement. D'accord. Et après, j'ai mis remise en forme, contrôle du poids, soins du visage, nutrition du sportif. Coach personnel en bien-être, mon nom, mon numéro de téléphone. Le 20 ans d'expérience, j'ai mis 20 ans parce que j'ai fait 5000 prospectus, donc je ne vais pas les débarrasser en un an. Donc, ça va faire 19 ans, là, en fin janvier, que je fais Herbalife, mais j'ai mis 20 ans d'expérience. J'ai mis mon RC, puisque je suis au registre du commerce, bien sûr. Et puis, demandez votre évaluation corporelle personnalisée gratuite, en bas. Okay. Trop bien. Ouais. Et juste dernière question. Donc, tu disais que tu te parques, tu vas dans un parking et tu vas voir les commerçants. Oui, je les fais tous. Il n'y a aucun qui passe à côté. Hein. Il n'y a pas un qui passe à côté. Je suis désolée, ma connexion a coupé. Je n'ai pas entendu le début de ta phrase. Oui, elle fait tout le monde. Elle parle avec tout le monde. Oui. OK, oui. Et si je croise des gens dans la rue, je n'ai pas ma pochette dans la main. Jamais. La pochette, elle est dans mon sac à main. Les gens ne la voient pas. Parce que si on se trimballe, j'ai remarqué, si on se trimballe avec ça dans la rue, les personnes s'aperçoivent qu'on est là pour distribuer des flyers. Soit elles ne nous regardent pas du tout, elles passent à côté en regardant l'autre côté de la rue, ou soit elles changent de trottoir. Donc, je surprends les gens, en fait. Quand je vois une personne qui est assez dynamique, qui a un peu d'allant, qui a l'air sympathique, qui a le sourire sur le visage, je lui dis « s'il vous plaît ». Et alors là, quand vous dites « s'il vous plaît », la dame, elle stoppe net. Hein. La personne, elle stoppe net. Je dis « est-ce que vous pourriez m'aider ?» Alors là, c'est encore pire. Elle dit « vous avez besoin de quoi, madame ?» Je dis « non, simplement ». Je dis, je voudrais savoir si dans votre entourage, vous connaissez quelqu'un qui aimerait avoir une activité complémentaire ou carrément une activité, parce que je suis à la recherche, et ma phrase, elle ressort toujours, je suis à la recherche d'un collaborateur ou d'une collaboratrice pour travailler avec moi. Elle peut être jeune, moins jeune, elle peut être en retraite, même comme moi. Ça peut être un homme, une femme, peu importe, mais est-ce que vous avez ça dans votre entourage? Est-ce que vous pouvez me communiquer un nom? Je ne vois pas comme ça. Je dis, écoutez, je vais vous laisser un flyer. Et là, je sors mon flyer et je lui dis, si vous y pensez un jour, je dis, écoutez, laissez-le au fond de votre sac, on ne sait jamais. Ça pourra peut-être rendre service à quelqu'un. Je lui dis, vous le donnez. Et voilà. Et en même temps, dans la foulée, je lui dis, vous voyez, je fais cette activité parce que. Et là, je sors ma photo. Et quelquefois, la dame, quand elle voit ma photo, elle me dit « Ah ben, ça tombe bien parce que vous tombez bien, j'ai quelques kilos à perdre. » Et ben voilà, j'ai fait une cliente. Janine, excellent, excellent. Je crois qu'on peut t'applaudir bien fort. C'était vraiment top. Et je crois qu'il y a beaucoup de questions là. On ne va pas pouvoir avoir le temps de répondre à toutes tes questions, mais il y a beaucoup de questions sur… ce qu'il y a sur le flyer, ce que tu dis exactement. En fait, ce que vous pouvez tous voir ici, c'est que Janine, elle est très professionnelle, elle est pleine d'assurance, elle est pleine de certitude et de conviction par rapport au produit, et elle dégage ça. Donc, c'est pas trop la peine que vous passiez, que vous vous préoccupiez beaucoup sur ce qu'elle dit, c'est plutôt comment elle le dit et pourquoi elle le dit, et comme c'est pro. Eh bien, automatiquement, les gens vont l'écouter. Janine, si les personnes viennent me voir, elles viennent au kick-off et elles pourront parler directement avec moi, c'est tout. Évidemment, alors, écoute, ce sera avec plaisir qu'on te verra tous au kick-off.
Venez nombreux. Et on ira te remercier pour cette soirée incroyable. On te souhaite une bonne soirée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Et puis, merci en tout cas, merci parce que tu as réagi tellement vite. Je t'ai invité hier et ce matin, on s'est parlé et tout de suite, tu as dit avec plaisir. Donc, merci pour ton temps. Et moi, je te remercie personnellement. Merci Sylvain, mais je ne pouvais pas te refuser ça. Tu sais très bien, je t'apprécie tellement. et on se voit. On se voit tous au kick-off. Passez une bonne soirée. D'accord, bye bye. Super. Merci, bonne soirée.